stade Idriss Mahamat Ouya, les militants du parti Les Transformateurs sont venus suivre le message du président de leur mouvement, Succès Masra. C'est un meeting autorisé par le ministère de la Sécurité publique qui a duré plus de 3 heures. Le message développé par le président national des Transformateurs a porté essentiellement sur des questions d'actualité en cette période de transition. À ce meeting, Succès Masra a entretenu ses camarades militants venus pour la circonstance sur son programme politique, la tenue du prochain dialogue national inclusif et bien d'autres sujets sociopolitiques. S'agissant du dialogue national inclusif, cet homme politique indique qu'il nécessite la participation de tous les fils du pays, et ceci pour la refondation du Tchad. Succès Masra n'a pas manqué d'adresser ses gratitudes aux plus hautes autorités du pays pour avoir autorisé à son parti d'organiser son meeting au stade Idriss Mahamat Ouya, malgré qu'il soit en chantier.